va être bon là. Ok, ça a l'air d'être bon. Attends, je vais vérifier que je suis bien en live parce que la dernière fois je me suis fait avoir. Donc je disais aujourd'hui, ouais, obduction parce que je sais pas du tout si c'est passé à l'enregistrement. Très bizarre en ce moment qu'il crache comme ça là. Alors là, ça a l'air. Et encore, heureusement que je l'ai vu hein, parce que j'ai vu sur le retour que ça bougeait plus alors que j'étais en train de bouger. Ah, j'attends qu'il y ait une pub qui passe sur mon stream pour pouvoir regarder, mais je crois que c'est bon, je suis live. Donc voilà, on va continuer le jeu. Alors faut que je sois attentif, hein, sinon. J'ai quand même regardé vite fait un truc. J'ai juste regardé savoir pourquoi il crache comme ça là. Alors je sais qu'il est assez sensible le logiciel, mais là c'est bizarre. Nanana. Impossible de fermer l'application. Ah non, j'ai rien de record en plus sur le. Ok, bon bah c'est pas grave. Hein. Il a crash, ça arrive. Ok, c'est bon, j'ai l'air d'être en live. Ok. Allez, cette fois-ci on y va. Je garde quand même toujours un œil sur OBS. Donc je disais, on en était au labyrinthe. Et j'arrive toujours pas à le faire. J'arrive toujours pas à le faire parce qu'il me manque ces deux parties-là. Et en fait. Alors j'ai regardé une vidéo, ça m'a pas du tout aidé en fait. Ça m'a pas du tout aidé. Bon, du coup, on va essayer de le faire normalement. Alors, je vais essayer de faire celle-là. Non, pas celle-là. Celle d'après là, celle là-bas. J'espère que le son est assez fort. Normalement, oui. Enfin, de toute façon, il n'y a pas non plus beaucoup de son dans le jeu. Voilà. Donc, celle-là, faut que j'arrive à le mettre, bah, que ça rejoigne. Donc, on va essayer. Mais là, ça va être le bordel. Hein. Si j'arrive pas à passer ça tout seul. Ça va être le bordel. On va y aller. Donc comme d'habitude, pour ceux qui avaient loupé, pour changer en fait l'orientation de la plateforme, faut TP dans une autre, dans l'autre dimension. Donc là, celle où on est de base. Je sais plus comment elle s'appelle. Je vais vous montrer ça. Donc là, voilà, on re-TP. Voilà. Et là, on se retrouve en fait dans la grotte. Dans la grotte de base, et là en fait, on va pouvoir changer donc l'orientation, vous voyez, de la boule. Alors, je sais plus où c'est, évidemment, je crois que c'est par là, ouais, c'est là. Voilà, donc là, on peut changer l'orientation de cette fucking boule. On va aller voir, mais va falloir vraiment trouver là parce que franchement, le jeu est assez dur hein. Quand je compare à The Witness. Même The Witness, j'avais pas l'impression d'avoir galéré autant. Bon, après là, j'ai pas non plus le même temps de jeu que Witness, mais. Ah, les énigmes sont pas évidentes. Hein. Voilà. En fait, ça, c'est un temps de chargement caché au final, même si on peut agir dessus un peu. Voilà, on peut regarder autour. Je vais essayer de regarder. Faut que j'arrive à trouver comment va le truc, en fait, au final. Voilà, donc là, comment il est orienté maintenant? Ah, il est orienté comme ça. Est-ce que ça m'aide qu'il soit orienté comme ça? Pas du tout, hein. Je comprends pas. C'est presque bien, en fait, il est orienté exactement pareil que l'autre. Mais ça m'aide pas, ça avance pas, ça. Attends, fais voir un truc. Là, d'accord, là, jusque-là, ça va, mais là, j'ai comment pour traverser ça, là? Je peux pas? Ah, je sais pas, hein, c'est fou. Je sais pas, franchement, cette énigme, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à l'orienter comme il faut. En fait, ces deux-là, là, ils sont pareils et ces deux-là, ils sont pareils. Et ils veulent pas s'orienter comme il faut. En fait, celui-là, moi, ce que je veux, c'est qu'il aille là, mais il n'y a pas de. La boule, elle se met pas comme ça. Elle se met pas comme ça, mais dans l'autre sens, en fait. Voilà, c'est ça mon problème. Parce que là, si elle se mettait comme ça dans l'autre sens, bah, c'était bon. On va réessayer. Merde. Voilà. À chaque fois, en plus, je me trompe. Alors on va reprendre celle-là là. On va essayer de l'orienter autrement. Vous voyez?
Il suffit que celle-là aille là, et c'est gagné. Mais après, il y a peut-être un truc que je vois pas en fait, hein. Comme je dis, je vais pas rester là, parce que là, au dernier stream, ça fait déjà pas mal de temps qu'on est dessus. Donc je vais pas non plus y rester pendant 3 plombes. Hein. Comme je dis, si j'y arrive pas, je regarderai un spoil pour au moins m'indiquer comment on les met en fait. Parce que autant ceux-là, ça va, mais ceux-là, là. Ouais, allez, on redescend. J'essaie de voir. Je vais prendre une photo. Alors j'ai essayé de prendre des photos pour m'aider un peu, mais voilà, donc là il est comme ça. Et ça c'est la photo que je viens de prendre. Et moi ce que je veux c'est que ça soit pareil mais dans l'autre sens en fait. Là on va reprendre. On va voir, on va essayer de l'orienter. Je sais pas. En plus quand on est dans la caverne on perd toute notion de comment est le truc en fait. C'est ça le problème aussi. Là on y va. Je sais pas s'il y a un moyen je sais pas, de se rappeler, de trouver comment faire. Allez. Vas-y, on re-TP. En plus, ça, ces phases de TP à chaque fois d'un univers à l'autre, c'est super long. Enfin, super long. Pas non plus. Mais voilà, ça fait perdre du temps. Faut redescendre, faut cliquer sur la machine, faut revenir. Faut revenir, faut vérifier que c'est bon. Enfin bref, c'est l'enfer. Alors, regardons ça. Ouais, c'est pas là. Donc en fait, faut que j'arrive à le. Comment faire? Comment faire? Au moins, je me débrouille là-dessus, quoi. Là, c'est pas bon, hein, ça. Attendez, j'ai regardé la photo. Attendez, comment je l'ai. Attends, je vois comment je l'ai orienté. Merde, ah là là, j'ai pas du tout fait comme il fallait là. En plus, on peut pas l'arrêter comme on veut, quoi. Une fois que le truc là, il est lancé, c'est fini. Ah, attendez, je vérifie un truc. Voilà, donc elle était comme ça de base. Hein. Ça c'est comment je l'ai laissé en fait. On va regarder la photo. Voilà, ça, ce que j'ai là, c'est ce qu'il y a sur la photo ici. Il est comme ça dans l'autre univers. Donc si je l'oriente sur la droite, comme ça. Alors attendez, sur la droite? Non, ça c'est pas bon. Ah, je me trompe, hein, je sais jamais. On va le remettre dans la position initiale. Voilà, donc on remet ça comme ça. Donc normalement, si je l'oriente sur la... On va vérifier, mais... Ah, si je l'oriente sur la droite, il va faire comme ça. Il va se mettre bien, peut-être, je sais pas. Je ne sais pas. Ah, attendez, voilà. Là, il est bien. On l'oriente un coup sur la droite et on va aller voir. Voilà, et là, espérer que ça passe. Mais j'y crois pas, je l'aurais... Je pense que je les ai déjà testés comme ça et ça va pas. On va essayer, comme dit, je vais un peu m'acharner dessus avant de. Ah, au bout d'un moment, faut aussi que ça avance. Je vais pas passer tout un épisode, tout un stream sur ce truc. Donc voilà, c'est parti. On repart. Mais c'est dur, hein, franchement, le jeu est pas évident. Bon, après, il y a des énigmes plus ou moins dures, mais. Et moi, je disais, enfin, il y a. La dernière fois, oh ça va, ça a l'air facile. Ah, tu parles. Pas facile du tout. Non, c'est pas bon. Je l'ai vu, hein. Attendez, je vois comment il était, je vois comment il est maintenant en fait. Photo. Attendez, avant il était comme ça. On l'a orienté sur la droite. Et maintenant il est. C'est pas possible. Donc si il était comme ça, ça allait là, on l'a orienté sur la droite. Du coup, vous pensez que si je le mets encore un coup sur la droite, c'est bon? Non, je crois que j'avais déjà essayé. En fait, après, ça appartient. Non, je sais pas.
Je sais pas. Si tu leur mets un coup sur la droite, en fait, il va partir en quelque. Non, non. Je vais quand même réessayer, je vais le refaire. Alors, je crois que c'est le bon tour du bas. Je vais quand même le repasser un coup sur la droite. On est. Là, j'y crois pas du tout, en fait. J'y crois pas du tout. C'est pas évident. Hein. Ce que j'aimerais bien, c'est quelqu'un qui a fini le jeu qui puisse me dire ce qui va pas, en fait. C'est surtout ça. Ce serait vraiment très pratique. Même un indice, ça va pas forcément me dire le spoiler total, hein, mais. On va essayer de le retourner sur la droite un coup, un cran. Donc sur la droite, hein. Enfin, comme ça, voilà. Et là il va partir complètement en cacahuète, vous allez voir, ça va pas du tout être. Ou alors je me dis que j'ai loupé un truc, c'est pas possible. Je me dis que c'est ça. Hein. Allez, on y retourne. On y retourne. Ah, c'est l'enfer. Hein. Donc voilà. Donc on va essayer d'avancer dans l'obduction. Ah. Ce qu'il faudrait que je regarde, si j'y arrive vraiment pas, c'est le pattern final en fait. Ah, si j'y arrive pas, au bout d'un moment, on va quand même pas. J'ai pas envie, voilà. Là, c'est pas du tout bien mis comme il faut, regardez. Regardez ça. J'ai l'impression qu'il a même pas bougé en fait. En fait, toute cette partie-là, là, est-ce qu'on peut, vous pensez qu'on peut relier les deux là? J'aimerais bien essayer en fait. Je vais retourner. Je vais essayer encore. Voilà, je vais essayer encore un petit peu. Je vais essayer de continuer à le tourner pour voir si je peux pas relier les trucs, la partie qui fait un angle et celle-là là. Ah puis voilà, enfin. Le fait de taper dans une autre, enfin dans une autre dimension pour faire deux, c'est cool, hein, mais quand on n'y arrive pas, c'est une plaie. C'est une plaie. Je sais pas si je suis. En fait, je suis en train de me dire, je sais pas si je suis loin du jeu. Enfin, loin de la fin. J'ai bien avancé, mais là, c'est par là, ouais. Je vais le retourner encore un cran. Et là, normalement, il va se retourner à la position initiale qu'on avait au tout début, en fait. Si je me trompe pas. Je commence à le connaître par cœur, le bordel. Hein. Au bout d'un moment, la machine, c'est moi qui l'ai construite. Bon, j'espère que le stream lag pas. C'est aussi un de mes match-up. Voilà, donc on repart. Donc, je voulais dire un autre truc, mais je sais plus quoi. Déjà, on va voir si ça s'est mis comme avant. Normalement, là, ça s'est mis exactement comme sur la photo. Ah, ou pas. Ah, ou pas. Alors, attendez, parce que là, c'est peut-être intéressant. Ah. Alors, attendez, là. Ouais, mais là, ça m'aide pas, ça. Ça c'est sympa, hein, c'est cool. Mais ça mène pas. Ça mène à nulle part en fait. C'est pour ça que je sais pas. Qu'est-ce que je fais? Il y a un élément qui me manque en fait pour le faire. Je sais pas c'est quoi, mais il me manque quelque chose pour le faire ce truc. Je sais pas. Là, il est bien. Regardez, ça fait un. Ouais, ok, mais là, je fais comment pour aller soit à gauche, soit à droite. Enfin, soit tout droit, soit à droite. Je peux pas. Si je bouge celui-là, ça va jamais coïncider. Ou alors, on peut, mais. Je vais le rebouger encore un cran. Il me manque quelque chose.
Il me manque soit une information, soit un truc, hein. Je vais redescendre et je vais encore le tourner un cran. C'est pas possible. Il y a une information, un indice peut-être que j'ai pas vu et que j'ai pas parce que là c'est pas possible. Je comprends pas. Ils se mettent pas bien. Donc soit il y a un truc à faire dans l'autre monde qui, je sais pas, qui change un truc. Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et puis le seul indice que j'ai, en fait, je vais vous montrer, c'est un truc qui ressemble. Alors je l'ai peut-être pris en photo, je sais plus. Attendez, je vous montre ça. J'arrive à le retrouver. Tour. Mais je veux les photos. Je sais pas si j'ai réussi à le capturer. Non, en photo, prendre les trucs comme ça, c'est pas évident. Ah, je l'ai pas, mais. En gros, il y avait une feuille avec un truc dessus, mais voilà, ça m'a pas forcément aidé. Ah, je vais le retourner encore un cran comme ça. En fait, c'est vraiment c'est les parties qui sont en biais, en fait, qui sont comme ça, et les parties qui sont en angle droit, j'arrive vraiment bien à les. Enfin, elles sont pas dures à mettre, en fait. C'est vraiment ces deux-là, là, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Là, ça se trouve, il y a un truc. Comme je dis, sur les énigmes comme ça, c'est soit il manque quelque chose, un truc con, que j'ai pas vu, que je verrai après sûrement si je trouve la solution ou pas. Si je regarde la solution, au bout d'un moment, je me dirai, ah, mais oui, je suis con, c'est ça. Voilà, donc là, celui-là, il est bien mis. Est-ce que je pousserai pas celui là-bas à gauche? Voilà. Pour essayer que cela soit dans la même direction, ça se trouve, ça va libérer un passage, hein. Parce que là, je vois pas, hein, sinon. On va essayer. On va essayer que celui-là soit aligné, en fait, avec. Merde, j'ai pris une photo. Je vais essayer que ça soit aligné avec les deux. Donc, on va voir. On va voir, et puis si on trouve. Regardez, parce que là, je peux pas mal avancer, hein. Alors, à moins qu'il y ait un truc à faire, non, bah non. Ouais. Je me dis, ça se trouve, il y avait un bouton au bout, je sais pas, un truc. Allez, on y va. Alors, je sais pas trop comment l'orienter, celui-là, pour le coup. Allez, c'est parti. Ah, c'est l'enfer, cela. Et je crois que. J'espère que c'est le dernier de la zone. Hein. Vraiment. Ok, c'est parti. Donc là, je crois qu'on peut pas aller ailleurs, hein, non? Je regarde, hein, parce qu'on sait jamais, autant éliminer toutes les possibilités. J'ai pas forcément regardé les autres sorties, mais non, ça mène à rien. Donc vas-y, on va. Alors, on va essayer de le caser, je ne sais comment. J'ai aucune idée de comment le mettre celui-là, non, comme ça. On va tâtonner, hein. On va tâtonner. Ah, c'est l'enfer. On croit que c'est facile parce qu'on se dit, quand on regarde le truc en l'air, on se dit, oh, ben, en fait, c'est simple, faut que le labyrinthe se fasse, faut que les trucs se mettent les unes à la suite des autres et ça fait le chemin, mais tac, on est dedans. Ça n'a pas l'air si simple que ça, quoi. Enfin, c'est pas simple, en fait. Alors, on va regarder ça. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui a changé, là. C'était pas comme ça, hein. On est d'accord, c'était pas comme ça, hein. Attends, j'ai même pris une photo. J'ai pris une photo, je vais pouvoir le voir, je comprends pas là. Le layout, il n'était pas comme ça. Il y a un truc que j'ai vu, que je viens de voir là. Alors, attendez. Ouais, j'ai pris une photo, donc ça va être très vite vu. Regardez. Ça, c'était le layout avant que j'aille là. Donc, vous voyez que là, ça fait ça. Là-bas, ça fait ça. Et ça fait. Là, c'est coincé. Et regardez, attendez, regardez surtout le. Bah dans le milieu, c'est pareil en fait. Non, bah si c'était ça. Oh, je sais pas en fait. Je sais pas.
J'ai aucune idée en fait. C'est peut-être la. Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il n'était pas pareil en fait. Non, c'était le même, hein. Je me fais des idées là. Suis même pas sûr de comment il était le truc avant. Du coup. Voilà. J'essaie de. Je sais pas. J'essaie de trouver l'astuce. Qu'est-ce qui fait que j'y arrive pas en fait? Je vais essayer ça de le tourner comme ça. Je vais continuer à le tourner ce truc-là, voir un peu. Donc voilà, ça c'est cool. On va essayer de descendre. J'essaie de continuer à tourner la boule là. Voir si ça va pas débloquer un truc au bout d'un moment. Si j'arrive pas là, je vais regarder le layout final et je vais essayer de le trouver. Sans non plus, voilà, parce que là, j'y arrive pas et j'ai pas envie de passer. Là, ça fait 20 minutes qu'on est dessus, hein. Ça fait 20 minutes qu'on est dessus, j'ai pas l'impression d'avoir avancé beaucoup. Mais il doit me manquer une information, je pense. Je suis assez curieux de voir ce que j'ai manqué en fait. Mais c'est possible. Hein. Dans ce genre de jeu, on peut facilement manquer une information. Il y a peut-être un truc. C'est comme j'en parlais. Ouais, c'était vendredi. Sur l'épisode d'avant, l'histoire des plaques d'immatriculation. Alors ça, par contre, j'aurais jamais trouvé. Hein. Je pense qu'on serait encore là-bas. Hein. C'est vraiment le truc que ça. Je pense qu'à un moment donné, j'aurais peut-être eu l'idée d'aller voir les plaques d'immatriculation, mais après ça se serait arrêté là, quoi. Et encore, déjà quand j'ai regardé la Solus et que j'ai vu qu'il y avait des plaques d'immatriculation, j'ai fait ah bon? Je les avais complètement oubliées. Ok, alors on va regarder là. Ouais, mais ça c'est pareil, ça c'est bien, mais ça aide pas du tout. C'est pas mal là, mais. Ah, mais non, mais encore une fois, c'est. Même si je le retourne, allez, si je continue à le tourner, il va aller là et là. Je vais le tourner, je sais pas là. Et puis là, en fait, je commence à être dans une situation où. J'ai l'impression de pas avancer et ça m'énerve un peu en fait. Parce que j'ai envie d'avancer, de voir galérer limite sur une autre énigme parce que je peux plus le voir ce truc en fait. J'en ai marre. J'en ai marre de TP, j'en ai marre de d'essayer de trouver une logique que je ne vois pas évidemment. Sinon j'aurais déjà fini. Ah bon, c'est le jeu aussi hein. Le jeu est comme ça, c'est des puzzles hein. Je me suis engagé là-dessus. Autant il y en avait qui étaient simples, mais il y en avait certains. Même avec la Solus, je les ai pas compris. Hein, celui de l'énigme juste avant celle-là, là, c'était une. Fallait TP dans la grotte, re-TP en machin. J'ai pas compris. Même avec la Solus, j'ai pas compris. Donc, je saurais même pas le refaire en fait. Et voilà. Là, peut-être que ça a l'air un peu plus simple, mais pas du tout. Ok, allez, c'est bon là. Bon là, si je vois pas, je regarderai le. S'il n'y a pas un truc qui se débloque là, je vais regarder un peu le pattern parce que là, je peux pas rester comme ça. Je m'étais accordé à peu près une demi-heure de recherche. Ouais, voilà, ça c'est bien, mais encore une fois, ça m'aide pas ça. Ça m'aide pas. Ça m'aide pas pour la simple et bonne raison que. Oh, attendez. Ouais. Ou alors j'arrive à trouver un moyen de mettre ça soit là, soit là. Bon, on va essayer comme ça. On va essayer de le mettre soit. Si j'arrive à le mettre là, c'est GG. Si j'arrive à le mettre là. Bon, on va essayer de faire tourner celui-là. Là, ça m'a l'air. Pas trop mal. Non, mais. Bon, je vais essayer, on verra. Je vais m'accorder encore un peu parce que j'ai l'impression quand même que ça avance un peu, mais encore une fois, c'est pas ceux-là là qui me bloquent là. Ceux-là, c'est ceux-là là.
Allez, on va essayer. Et c'est surtout les qui me fait chier là, c'est les TP en fait. Allez, on y va. Ah, c'est beau, hein. N'hésitez pas à commenter ce magnifique contenu là. Oh là là, c'est ouf. Je pense que vous verrez pas ça tous les jours. Bon, ça va, heureusement, le petit loading là, caché, est pas très très long. Heureusement, parce que sinon, je pense que j'aurais déjà abandonné. Alors, on va le tourner un cran vers le haut. Voilà. Oh, ouais, ah, non. En fait, là, comme ça me plaît pas. Non, ah, quoi que. On va regarder, je sais pas. Je vais essayer de trouver une. En fait, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas le retour. En fait, ça serait beaucoup. Enfin, bon, ça serait trop facile si on avait le retour de ce qu'on faisait dans l'autre dimension, en fait. Et justement, je pense que la difficulté est là. Même avec des photos, hein, honnêtement. Même avec des photos, ça marche pas. Enfin, pas pour moi, en tout cas. Allez. Ok. On va regarder ce que ça donne, même si là j'y crois pas trop. Peut-être ça va se débloquer. Je me dis, j'ai l'espoir qu'à un moment ça se débloque en fait, mais au moment c'est pas le cas. Parce qu'il doit me manquer, comme je dis, une information. Non mais là il y a un souci. J'ai l'impression, franchement, honnêtement, j'ai l'impression que ça change. Non, ça. J'ai l'in. Je suis sûr que j'ai l'impression que le layout, c'est pas le même en fait. C'est ouf, hein? Ah, faut que je regarde la vidéo pour être sûr en fait. J'ai envie de le faire. J'ai envie de me dire, est-ce que c'est moi ou j'ai l'impression que le layout, c'est plus le même? Mais vraiment pas le même, hein. Ah, je sais pas. Je sais pas, je vais aller regarder là parce que ça m'emmerde. Je sais pas, c'est peut-être moi qui me fais des idées, mais. Et encore, la solution, je sais même pas si ça va m'aider parce que. Faut que je regarde le layout final et re je regarde comment faire en fait. Alors attendez. Alors, obduction. Heureusement, Obduction, ils l'ont mis sur Super Solus récemment, là. Parce que là, je sais pas, là. J'ai vraiment l'impression que le layout change. Alors, c'est le labyrinthe, voilà, c'est le labyrinthe. Donc, le labyrinthe, il est là. Alors, attendez, je vais regarder. Enfin, je vais regarder juste le layout final. Ah, c'est pas possible. Oh, ah, je vous raconte pas comment ça va être galère, hein. Je comprends pas comment il arrive à le mettre comme ça en fait. Là, le layout final, je le vois. Mais pour moi, je peux pas le faire en fait, le layout comme ça. Il y a un truc, hein. Attendez, je vais lire la soluce parce que il doit y avoir un truc quand même. Parce que le layout comme ça, oui, c'est le truc que j'avais vu, mais j'arrive pas à le faire. Alors, attendez, il dit quoi là? Alors, 1, 1, 2. Ouais, mais moi, putain, je sais plus comment je les ai mis, les trucs, en fait. Oh là là, ça va être long. Je sais même pas si avec la souris, je vais pouvoir le faire. Ce sont des. Alors, des dernières, vous avez. Ah, attendez, match 3. Dans un sous-sol. Alors. Alors, attends. Entrez alors à la base de la pièce numéro 2. Ah, attendez, je lis le truc. Hein. La pièce numéro 2, c'est laquelle? Celle-là. Comment je peux savoir? Ah, si, je sais comment savoir quelles sont les pièces en fait. Ok, bon, je vais suivre la soluce parce que là, je vois pas. Donc là, normalement. Ouais, non, merde, c'était dans l'autre sens. Parce que le layout final, en fait, c'est simple. Il est con, hein. Enfin, vous allez le voir, mais. En fait, le layout final, c'est comme si vous avez. J'étais arrivé à relier ça là.
Voilà. Mais j'y arrive pas. Donc le layout final, voilà, il est. Donc je vais le mettre en position de. Voilà. Pour savoir quelles pièces sont où. Il faut que j'aille voir le truc numéro 2. Alors attendez. Oh, ça va, et ça va être. Même avec la soluce, c'est pas dit que je. C'est chaud. Hein. Donc à la base de la pièce numéro 2. Ok. La base de la pièce numéro 2. Donc la pièce numéro 2, c'est celle-là. Je le sais parce que en fait, il n'y a pas de sortie. Voilà. Ouais, il n'y a pas de. On ne peut pas rentrer dans le labyrinthe avec cette pièce-là. Donc on va parler. On va la pièce numéro 2. Alors là, je vais faire beaucoup de l'altab. Hein. Voilà, ok. Alors, allez le faire tourner à 180 degrés à l'aide de l'image 8. Alors, attendez. Alors, attendez. Vous allez constater en regardant mon contrebas que là. En téléportant la pièce numéro 2. Vous l'avez remplacé par une nouvelle pièce. Et ainsi pouvoir mettre la place. Oh là là, je comprends rien. Apparemment, c'est ça, hein, le layout change en fait. Ah, attendez. 180 degrés. Alors attendez. Image numéro. Allez, attendez. C'est grâce à ça. Ok, donc là on TP. Et là le truc, oh là là, il est plus en position initiale. Faut que je trouve comment le mettre. Il y a une histoire de pièces qui change aussi, hein, donc c'était bien ça. C'est vrai, c'était pas si facile. Hein. Et même comme ça, je sais pas en fait. On va suivre le truc et on va essayer de comprendre ensemble. Et là c'est pas, là à mon avis même avec la soluce vu, alors, en fait c'est la soluce c'est un pavé. Juste pour cette épreuve là, c'est un pavé la soluce. Donc je vous dis qu'on n'a pas fini. Hein. J'aurais dû. En fait, au final, j'aurais dû regarder directement au lieu de d'essayer de la faire parce que. Alors le problème, c'est qu'il va falloir la mettre dans la même position que sur la photo parce que alors, évidemment, moi, comme j'ai tout changé, c'est plus du tout pareil que lui, enfin que le que sur sa photo à lui. Donc du coup, hey ça va être l'enfer. Et en plus. Comment il l'a mis, il a juste dit de la mettre à 180 degrés, ce qui est cool, mais c'est 180 degrés chez lui en fait. Donc on va essayer de trouver comment. Oh là 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 là, ça va être l'enfer là. Je sais, honnêtement, là, je sais même pas si je vais y arriver à le refaire en fait. Ça va être long, hein. Ça va être extrêmement long. Parce que juste pour cette épreuve, je vous dis, la page, elle est énorme. Le labyrinthe, il est pas si facile que ça. Je vous dis, enfin, je vais vous montrer, mais. Ok, donc faut que je la mette dans la même position que lui. Hein, donc on va regarder. Je crois que je vais mettre la soluce en petit sur la droite parce que sinon je vais faire trop d'altab. Alors, je crois que là, c'est bon. Attendez, je crois que j'ai eu le bon pif. Ah non, peut-être pas en fait. Non, c'est pas ça. Attendez, j'essaie. Là, je suis en train de mettre la soluce en petit parce que sinon, ça va être l'enfer. Donc voilà, donc là, je suis à l'image 9. Ok, donc elle est pas encore bien mise. Voilà, en fait, si vous voulez. Le milieu là, il change. C'est-à-dire que là, moi, je le vois comme ça. Et là, sur la photo que j'ai, il est comme ça. Il est comme ça et il va vers le bas. Pourtant, je suis sur la même position. Non, attendez, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est? Oh! C'est pas possible. Là-bas, normalement, c'est censé être la sortie. Je me suis trompé de. Oh là là! Pff. Comment c'est possible? Attendez. La pièce numéro 1. Pourquoi il me parle d'une pièce numéro 5 là? Ah là là, je crois que j'ai foutu le bordel sur le truc en fait. Je crois que même la soluce, ça va pas m'aider. Oh putain, alors là, on est mal barré. Hein.
En fait, oh la vache, il y a des pièces que, oh là là, je les ai jamais vues celles-là. Hein. Je sais même pas comment l'expliquer en fait. Normalement là, en face. Attendez, on va continuer à tourner celle-là jusqu'à ce qu'elle soit dans la même position. Je vais partir du principe que c'est quand même bon. Parce que, évidemment, le mec qui a fait la soluce, il est arrivé, c'était le layout par défaut. Entre guillemets, comme moi je l'ai trouvé au début, mais comme je l'ai bougé dans tous les sens, bah moi il est plus du tout pareil. Donc je sais pas si ce que je fais de là, c'est bon. Oh putain, je voulais pas rentrer. Oh là 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 là, non mais c'est pas sérieux quoi. Oh. Ah oui, parce que je l'ai foutu dans tous les sens. C'est normal, il va pas être pareil. Oh bah du coup je vais. Oh là là, je sais. Pff, là ça commence à m'embrouiller là. Je sais pas comment je vais faire cette épreuve en fait. Même avec la soluce, je sais pas. Écoute, on va le foutre. On va avancer comme ça. On va dire que c'est par là. On va espérer que il va se passer quelque chose. Que je vais reconnaître le layout. Là, je l'ai mis en petit le layout. En fait, en gros, la pièce, le truc du milieu change. Pourquoi il change, je sais pas. Emprunter ensuite la sphère numéro 1 afin de pousser. Oh là là. Même en suivant pète. De toute façon, je l'ai vu venir, je savais que là. On va regarder si ça a changé quelque chose, mais là, ça va être complexe. Je comprends pas parce que à droite, normalement, il n'y a rien. Ah, mais alors attendez, parce que du coup, je suis sur le mauvais. Alors, du coup, la pièce numéro 1, c'est celle-là? Attendez. Peut-être celle-là. Hein. Parce qu'à droite, il n'y a rien. Ah, c'est peut-être celle-là, en fait. Ah, en fait, oh là là, c'était celle-là. Ok. Donc, ça, c'est la pièce numéro 2. Oh, ok, faut. Donc, celle-là, faut qu'elle aille là. Ok, faut celle-là, faut que je la tourne. Ok, je crois que c'est bon. Je dis ça, mais ça se trouve, quand je vais changer le truc, ça va partir en cacahuète, je peux rien comprendre. Non, mais là, je peux rester bloqué à l'infini. Hein. Là, c'est un vortex. Hein. Ah, ça fait déjà 40 minutes qu'on est dessus, plus la session de la dernière fois. Ça a donné beaucoup de. Ouais. Je crois que je vais avoir au moins deux vidéos YouTube qui vont être juste sur ce truc-là. Hein. Ça va être bien chiant. Ok, je crois que j'ai trouvé le bon layout. Donc, du coup, maintenant, il faut que je trouve le moyen de changer la pièce de place. Ah. Je crois que même. Je crois honnêtement, il faudrait qu'on me l'explique le truc parce que le lire. Bon, attendez, je vais mettre ça comme ça. J'ai appuyé sur la truc du haut. Hein. Alors, en fait, ce que je voulais faire. Je voulais essayer de terminer, en fait, là, ce qui va se passer sur les streams. Je vais essayer de terminer obduction. Je vais essayer, hein, je dis bien, parce que c'est pas gagné. Le terminer. Ensuite, je pense que je vais continuer à streamer un peu de Battlefield jusqu'à la fin de la bêta qui devrait être dans. Je crois que la bêta se termine le 8, donc je vais en profiter encore un petit peu. Après, je sortirai le 31 octobre, je crois, ou le 21, je sais plus. Donc je vais profiter encore un peu de la bêta, c'est assez fun. Je crois que c'est pas du tout ça en fait là. Non, c'est pas du tout ça. Par contre, je suis presque bon. On profite encore un peu de la bêta de Battlefield. Ah, je sais pas pourquoi je prends une photo. Et enchaîner sur Path of Exile. J'ai commencé à regarder les buts des. Oh, enchaîner, ça va être un grand mot. Hein. Mais voilà, une fois que la bêta sera passée. Je pense qu'on enchaînera sur Path of Exile. Alors, c'est. Prenez pas au mot, hein, j'en sais rien du tout. Ça se trouve, ça va changer, mais c'est comme ça que je le vois pour le moment, en fait. Je crois que la bêta se termine le 8, ouais, je confirme ça. Ouais, bref. Voilà, c'est comme ça que j'ai prévu le truc pour le moment. Après, voilà, ça peut changer. J'ai continué à appuyer sur le bouton du haut et espérer à quelque chose. J'essaye de le mettre dans le même setup que le mec en fait. On dirait pas, mais je suis la soluce là.
En fait, lui, il l'a changé à 180 degrés, mais moi, enfin, moi, le truc, il n'est plus du tout pareil, en fait. Donc, faut que je retrouve le même setup que lui. Donc voilà, donc ça se situait comme ça. J'ai commencé un tout petit peu à regarder les builds de Path of Exile pour voir justement ce qu'il y avait d'intéressant. J'en ai trouvé certains qui ont l'air bien. Ah voilà, ça y est, je crois qu'il est bon là. Pas sûr. Ouais, c'est bon. Ok, donc là, celle-là, elle est bien. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut le mettre. Donc là, j'ai exactement pareil sur la photo. Donc, je vais continuer la soluce. Alors, emprunter ensuite. Donc ça c'est fait. Hein. Nanana, s'y mettre en place à l'emplacement prévu sur le labyrinthe. Donc image numéro 10. Ok, donc ça c'est fait. Normalement, si je me trompe pas. Ah non, c'est. Pas sûr que ça soit ça en fait. Bref. On va continuer comme si. Parce que là, l'image que j'ai, elle est bonne. Ensuite. Sphère numéro. Alors attendez. Emprunter ensuite la sphère numéro 1 pour retourner dans le monde de mer afin de constater les fruits de votre action. Emprunter la sphère. Alors la sphère numéro 1, faut que je trouve où elle est. Donc là, je suis sur la combien là? Oh, je suis sur la numéro 2. Donc c'est celle. Oh. Je sais pas. Oh, il veut rien dire le truc. C'est pas possible. C'est pas possible. Je suis sur la 4 là. Je me dis, est-ce qu'elles sont interchangeables les pièces? Parce que là, je sais pas. Oh, je peux même pas, j'arrive même pas à le faire avec la soluce. J'arrive pas à le faire avec la soluce, le bordel. Je suis inquiet. Ah, attendez, ouais, mais la sphère numéro 1, alors c'est une qui est comme ça? Ok. Ah, attendez, on va partir du principe que c'est bon. Attendez, une seconde. Alors, empruntez ensuite la sphère numéro 1 afin de constater les fruits de votre action depuis la plateforme de contrôle. Déjà ça. Faites alors pivoter de 90 sur A puis téléporter la pièce numéro 3. Voilà. Je comprends rien. Je comprends rien. Je comprends pas. Je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. Emprunter la sphère numéro 1. Vous l'avez remplacée par une nouvelle pièce. Quoi? Oh, attendez, Je vais essayer de le placer comme le layout là. Ça, je vais le placer à droite. Je sais pas. Là, même avec la soluce, c'est pas clair. C'est pas clair du tout. Je sais pas. Apparemment, il y a des trucs qui se remplacent par d'autres. Je sais pas. Là, je crois que j'hésite vraiment à abandonner et de le faire hors stream parce que là, je sais pas. Je crois que. En fait, les layouts, je l'ai foutu en l'air, je crois. Et du coup, bah, c'est plus du tout le même setup que sur la Solus et je sais pas. Ah, attendez, ça c'est comme ça. Faut le mettre dans l'autre sens. Il faudrait que le coin. Ouais, je crois que c'est ça. En fait, je comprends pas le. En fait, sur la soluce, ça explique pas le principe du truc.
Et ça te dit comment le faire, mais vu que moi j'ai tout changé, bah du coup je sais pas. Je sais pas où est pour lui la pièce numéro 1, c'est quoi. Et moi je sais. Comprends pas. Pas. Ils disent que la pièce change, les pièces. Voilà, c'est ce que j'en pense. Parce que c'est exactement ce que j'en pense, hein. Non, c'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens que je voulais le faire et c'est. Ah si, je crois que c'est ça que je voulais faire en fait. Alors, attendez. Faut que je trouve le prince. Je vais. Faut que je trouve un truc. Ah, c'était dans l'autre sens, putain, je rate. Je vais. La solution, elle m'aide pas. Je vais essayer de trouver quelqu'un qui explique parce que là. Et encore, même comme ça, je suis pas sûr de comprendre. Obduction. Là, vous imaginez en fait, la difficulté du truc qui est pas si simple. Hein. Labyrinthe. Merde, je suis en clavier anglais, ça va pas aider. Labyrinthe. Attendez, ça c'est comment en anglais? C'est maze. Maze. Ah, attendez, le maze. Ok, je vais essayer de le comprendre en anglais. Voilà, là le mec déjà il explique un peu mieux. Ah, mais putain, il dit les pièces aussi encore. Alors attendez, parce que là le mec explique un peu mieux. Alors attendez, la structure bouge de 90 degrés. 90 degrés, d'accord, donc elle bouge comme ça, ouais, d'accord, ça d'accord. You have. Oh putain, faut que je. Oh faut que je remette dans la position initiale le bordel en fait. Sinon, j'y arriverai pas. Alors, attendez, j'ai quand même essayé. Le 1, voilà, il sépare le truc en 3. Ok, d'accord, jusque-là, ça va. 2, 1. Et je crois que je commence à comprendre, en fait. Parce que les boutons, en fait. Alors, je tente une explication. Les boutons, quand on est dans la caverne. Mais pourquoi ça, c'est la truc numéro 3? Oh là 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 là, attendez parce que là c'est. Shortcut. Et de comprendre, hein. Là c'est pas clair, même avec la solution, c'est pas clair. Alors attendez. Le fût, nanana, picture. Ok, la star. Ouais, bon, ça la sortie opposition, on s'en fout. Then the highlight circle in the middle. The highlight. Il y a un truc qui est censé être en highlight, mais je le vois pas. Oh là là. Mais là, il y a un problème. Alors, attendez. Mind. Alors, attendez. Good way, tout est remember. Oh là 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 là. Je comprends, ah non, ça, là, sa solution, je la trouve pas. Je sais pas, faudrait que le mec, que je trouve limite une vidéo, même. Là, en fait, je comprends pas le principe du truc. Je vais galérer, hein. Ah, attendez, figure, il y avait un truc, une vidéo là. Oh mon dieu. Ouais, c'est pas du tout aussi facile qu'on le pensait. Hein. Oh là 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 là, c'est 40 minutes la vidéo est faite là pour comprendre le truc. I think we rotate it twice. This entrance is there, then this entrance will be about round about here. Attendez, j'essaie de comprendre. Il a pas les. J'ai And l'impression right qu'il a pas now les. we have an entrance to a dead end. So Comprends pas.
We can't rotate it not 90. Quoi que le mec il comprend. Comment il a fait pour le faire? Oh, je dois être. Je sais pas. Non mais la vidéo elle m'aide pas parce que le mec il trouve pas non plus en fait. Ok, attendez. On va essayer de trouver une solution. Je sais pas quoi faire. En fait, la limite, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est reloader une sauvegarde avant pour remettre le labyrinthe dans sa position initiale. Ouais, apparemment, là, je vois sur Reddit. Ils disent que c'est le pire truc du monde. Ah, attendez, All Maze Solution. Ah, parce qu'il y en a plusieurs. Je comprends pas. Ah, mais les solutions, je veux bien, mais comment je fais? Là, j'hésite à abandonner à le faire hors stream en fait, parce que limite, je le ferai dans une vidéo, mais qu'est-ce que je fais? Je continue. Ça fait déjà 1 heure qu'on est dessus et je comprends pas. Ouais. Attendez. Apparemment, si j'ai bien compris, il y a 5 pièces au final. C'est-à-dire, on va essayer de comprendre. C'est-à-dire que là, merde. Ah, qu'est-ce qu'il me veut là? Ok. Il y a 5 pièces. Et vous avez celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Là-dessus, on est d'accord. La pièce qui est dans la caverne, c'est une autre pièce, c'est une cinquième pièce qui n'a rien à voir avec les quatre là. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. C'est-à-dire que... Là, je comprends. Ok, donc si c'est une cinquième pièce, d'accord, déjà, ça m'aide un peu plus. Et là, ça, c'est un mec qui a compris comment... N1... Swap. Ah, attends, you can swap them if you teleport. Oh. Ah, attendez, la méthode pour ça in the jungle, c'est we want to swap. Oh, d'accord. Ah, attendez, parce que là. Je commence enfin à avoir un début de compréhension de ce qui se passe. Text. Teleport to the mine using the teleporter. Go back up. Center. And... Attendez, use the center teleport. Attends, il. Take the elevator in the general center, transport in the walk up in the main and use the teleporter, the main swing the center. Oh là là, ok. Alors attendez, parce que. En fait, oh la vache. En fait, faut que je reparte sur un autre téléporteur que celui-là. Ok, bah alors c'était pas du tout simple. Je comprends pas parce que sur les vidéos ils font pas comme ça. Attendez. In the jungle, c'est que le pièce de want to swap. Donc imaginons que je swap cette pièce là avec celle qui est à l'intérieur. D'accord, ok, celle-là je veux bien. Ok. Backup. Go backup. On n'a pas seulement la use. Non mais là je suis pas dans la mine là. Ah si, attends, teleport to the mine. Ok, on va suivre le, je vais suivre ça. Là le mec il a l'air d'avoir bien mis ça. Oh my god, vous imaginez le délire du truc là hein. Ok, on y va. Apparemment c'est une des plus dures du jeu hein, de ce que je vois sur un peu partout. On téléporte, on va dans la mine. Et encore là c'est un exemple hein. j'essaie de comprendre le truc en fait. Ok, on va dans la mine. Très bien. Donc là, oh my god, oh.
Si j'arrive pas à la faire sur cette session, les gars, je le ferai hors stream. Un spoiler, je vous ferai une vidéo pour bien pour le montrer, mais là, c'est pas possible. Ok, donc là, on est dans la mine. Go back up, tu veux pas. Alors, go back up and use the center teleport to back up. You are now. Ok. Donc là, je dois. En fait, là, en gros, je dois utiliser un autre téléporteur. Donc, on va aller vérifier. Donc, on va aller dans. Donc, faut que j'aille. Je retourne en arrière. Ah, putain, c'était pas là. Ah, il y a le temps de chargement de 15 ans ici, je sais pas pourquoi. J'espère que c'est là. Là, ça se trouve, c'est pas là. Go back up, il passe au domaine et use the center teleporter to. Ok. Oh, le délire. Le délire. Ok. Alors là, juste au-dessus, il y a un temps de chargement, hein, c'est pour ça que je fais rien. J'attends qu'il soit fini parce que là, en fait, ça va aller. Je sais pas pourquoi il y a un temps de chargement là, comme ça. Je sais pas. Il est bizarre ce temps de chargement, comme ça, au pif. Là. Allez! Ok. Attends, en plus, on va se taper le temps de chargement à chaque fois. Non, c'est pas du tout celui-là. Ah, c'est pas du tout la bonne sortie. Et là, je crois que je commence à comprendre le principe. Donc là. Donc, il nous dit de back up et utiliser le téléporteur du centre. Normalement, voilà. On va retourner. Voilà, on va retourner. Voilà, ici. Préparez-vous. Hein. Voilà. Utilisez celui du centre. Vous imaginez. Le délire complet, quoi. Allez, on utilise celui du centre. Je sais même pas si. Oh là là, je sais même pas si c'est ça. Bon, si vraiment j'y arrive pas aujourd'hui, on va jouer à Battlefield et. Avec combien de temps ça fait? 1h30, je pourrais découper un épisode. Mais. Alors, j'essaie quand même ça. Donc là, il me dit de. Donc. Voilà, you are now in the jungle. Take the elevator up. Donc là, je dois reprendre l'élévateur. Voilà, donc là, je retourne au truc, on est d'accord. Voilà. Donc là, il me dit de reprendre l'élévateur et de monter. Ok. Voilà, on va aller voir si ça a changé quelque chose. Oh, regardez, c'est une nouvelle pièce. Ok. Ok, c'est une nouvelle pièce, les gars. On va y arriver, hein, je vous jure qu'on va y arriver. Ok. Il a fallu que j'aille voir sur Reddit pour qu'un type. Alors attends. Take the elevator. The object here. Make a. Ah. Take. Attendez. The object here is to make sure c'est moi. An open pathway through it. If you have a solid sphere, take the elevator. The younger one, step down, teleport back to me using the. Ok, bon, bah là, déjà, voilà. Donc, ça, c'est la cinquième pièce, en fait. Et du coup, avec une pièce comme ça va être plus simple. Ah, mais comment on la tourne? Ah, est-ce que c'est cette pièce-là que je. Ah, attendez, déjà, on va essayer. On va descendre, on va essayer de la tourner. Parce que là, du coup, je peux peut-être. Ça m'aide, hein. Cette pièce-là va m'aider, mais je sais pas encore dans quel sens. On va descendre et on va la mettre en comme si c'était une sortie. On y est presque, hein. On y est presque. Vous imaginez le délire du truc quand même. Hein. Bon, ça me rassure parce que il n'y a pas que moi que. Apparemment, il y en a certains, ils ont abandonné le jeu ici. Hein. Ok. Y arriver. Donc là, la pièce qui est toute droite comme ça, c'est la cinquième pièce, celle qui était cachée. Donc peut-être que maintenant on va pouvoir travailler le truc en fait. Donc là, normalement, si je me trompe pas, au-dessus de notre tête, il va y avoir une pièce et ça va être la même. Enfin, la même. Pas la même, mais en fait, oh là là, il y avait tellement de trucs. Mais je sais pas encore si je vais y arriver. Hein. Voilà. Ah mais maintenant on l'a téléporté, ce con. Alors, attendez.
Ah mais non, c'est bon parce qu'on va utiliser ce téléporteur là, donc. On va essayer de la positionner correctement. On va voir. J'espère que ça va pas la. Oh là 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 là. C'est l'enfer. Hein. Ah mais là en fait j'étais pas parti du fait qu'il fallait revenir en arrière. Enfin bref. Oh, j'espère que elle va toujours être là, la pièce qui est tout droite, que j'ai pas re-téléporté l'autre. Non, c'est bon. Ok, là, elle est bien. Donc, on peut quand même la tourner. D'accord. Si je veux. Donc, là, voilà. Allez, ça, on a un chemin maintenant. Donc. Maintenant, faut tourner celle-ci. Pour qu'elle aille là-bas. Attendez, je vais. Regardez le labyrinthe final. On va y arriver au bout d'un moment. Tac. Ok, faut que je tourne. Ouais, là, je crois on y est presque. Maintenant, faut que je tourne celle-là, voilà, pour que les deux soient reliés. Oh, on va y arriver, hein, peut-être. Possible. Allez, on retourne. Voilà, donc celle-là. Celle-là, faut la changer de place. Donc là, on va pas swapper de pièces. Oh la vache. J'espère que c'est la dernière. Enfin, j'espère que les autres sont plus simples, même si j'ai peur que ça soit pas le cas. Non, on est à 1 heure et on n'a pas fini. Hein. Ça va être des belles vidéos YouTube, ça. Ça, c'est des belles vidéos où on fait toujours la même chose. Ok. Là, on va swap. Là, on va swap pour que elle aille. Alors, je sais plus comment. Dans quel sens elle était, du coup. Faut qu'elle soit comme ça, comme ça. Je vais la mettre. Je sais pas là, comment la mettre, en fait. Ah merde, je la mets dans l'autre sens. Là, ça, c'est comme ça, c'est pas bon. Ça, c'était sa position initiale, je crois, non? Oh là là. Bref, on va aller voir par là. En fait, faut que ça fasse la liaison entre le milieu et le. Mais ça, il l'explique pas dans la solution, je comprends pas. Ah si, il le dit, remarque. Je fouillais. Je sais pas en fait, bref. Bon, du coup, maintenant qu'on a une nouvelle pièce, ça va peut-être débloquer la situation. Sur une pièce toute droite, ça peut vraiment aider. Ah, je crois pas que ce soit bon encore. Crois pas que ce soit bon. Non. Ah, quoique. Attendez, elle est où? Ah, elle est là-bas. J'ai eu peur, je la voyais plus, la pièce. Non, c'est toujours pas ça. Donc, en fait, faut que ça soit relié. Et celle-là, et après c'est là-bas. Ok, faut que je continue. Faut que je continue de tourner celle-là là. On va y arriver, on va y arriver. Cette fois-ci, ça a l'air bien. Ah mais voilà, vous vous rendez compte quand même qu'il a fallu que j'aille sur Reddit, que je trouve un mec qui explique à peu près comment faire pour. En étapes, en plusieurs étapes. On va y croire. Je pense qu'une fois. Celle-là, c'est le. Je crois que c'est la pire. On verra. On pourra revoir à la fin du jeu parce que pour le moment. On peut pas dire que c'est la plus dure. On n'a pas tout vu donc forcément. Regarde, là, je la remets dans la position où elle était avant. Alors attends. On va continuer. Oh, j'en ai marre. Ah là, vivement la suite. Hein. Vivement la suite. Je peux plus le voir ce truc en fait. Là, overdose de labyrinthe. Overdose de labyrinthe.
Ah, je crois que c'est bon là. On va regarder ça. Ok. Non, c'est pas bon. Qu'il soit par là. Faut que je la retourne encore un cran. Faut que je la retourne encore un cran. Je sais même plus dans quel sens c'était, putain. Voilà, elle est du mauvais côté en fait. Elle est là, j'y crois. J'y crois mort. Non mais c'est pas évident, hein, franchement. Franchement. Et du coup, j'ai mis dans quel. Je crois que c'était par là. Ouais. Donc là peut-être que ça va être bon. Oh, je vais la tourner dans tous les sens jusqu'à ce qu'elle soit bonne. De toute façon, là, on n'est plus à ça près en fait. C'est un enfer ce truc, c'est un enfer. Je pensais pas que ça allait être aussi dur. Quand on la voit, l'épreuve, on se dit, ouais, c'est simple, c'est un labyrinthe, faut juste mettre les trucs correctement, mais non, en fait, il y a une pièce qui est. Alors après, il y a peut-être un indice dans le. En fait, ce que je me dis, c'est qu'il y a sûrement un indice. Ok, là, ça doit être bon. En théorie. Voilà. Ok. Maintenant. Merde, c'était dans l'autre sens, c'est pas grave. Maintenant, faut s'occuper de celle-là là-bas. Vous y croyez hein, quand même là. Là, je pense que même moi, qui suis voilà, je commence à avoir un début de, je commence à y croire. Alors, celle-là. Alors, est-ce qu'il faudrait pas que je retourne TP l'autre? Parce que n'oublions pas qu'on a TP une pièce. On va essayer, on va faire tourner. Ah mais non, mais attendez, celle-là, comment on l'a fait? Attendez, parce que. Et de comprendre comment on s'occupe de cette pièce-là, elle est assez relou. Ouais. Ah là là, on est près du but, là, on est près du but. Mais je crois qu'on n'y est pas encore. Hein. Il nous reste juste celle-là, mais on va essayer de la mettre dans tous les sens. Allez, on y croit. On s'approche. Hein. À mon avis, honnêtement, faut que je re-téléporte l'autre. Je sais pas ce que vous en pensez. Parce que ça serait bizarre. On doit pas. Je sais même plus c'est quoi que j'ai téléporté en fait. Oh. J'ai envie d'essayer. J'ai envie de téléporter celle-là. De récupérer l'ancienne, ça se trouve c'est ça, fallait les switch. Je vais essayer, tant pis, non, c'est pas par là. Je prends le risque. Donc là, on va revenir en arrière. Pense que c'est trop facile que ça soit juste un téléporte comme ça en arrière. Donc on va revenir là. Et on va se retourner, on va utiliser celui-là. Je pense que c'est ça. Hein. Comme ça, on re-switch les deux pièces. Ça se trouve, c'est même pas ça du tout, mais. Pas grave. Ah, j'espère vraiment que ça va se bouger. Oh là, j'aurais mis combien de temps? Et encore, heureusement que j'ai vu la. Il y avait rien qui disait qu'il y avait une cinquième pièce. Oh merde! Ah non, c'est bon, j'ai cru que c'était pas ouvert.